Frédéric Bizard, bonjour. Bonjour. Vous venez de nous exposer votre diagnostic du système de santé français, ainsi que vos 40 propositions pour le refonder. Quel a été le temps fort de votre intervention? C'est probablement la prise de conscience de l'audience de deux choses. La première, c'est du diagnostic de dégradation du système de santé, avec à la fois un diagnostic ambivalent entre des ressources extraordinaires à notre disposition et un système qui est en crise à côté. Donc une compréhension qu'il faut véritablement refonder, repenser le système et que ce n'est plus par des gains de productivité marginaux, par du rafistolage du système qu'on peut avancer. La deuxième prise de conscience que j'ai ressentie, c'est que finalement c'était possible. Parce que lorsqu'on parle de refondation, on se dit « non mais c'est impossible, jamais personne n'aura le courage de le faire » et autres. Et si la refondation est bien moins douloureuse que la gestion de la décadence du système, où tout le monde est perdant et on le voit aujourd'hui où on est face à une vraie crise sociale dans le système de santé. Alors, dans ce contexte, quel avenir pour le médicament donc dans un système de santé que vous préconisez ? L'avenir du médicament, de mon point de vue, et en particulier des innovations, dépendra directement de notre capacité à refonder et à repenser le système. Aujourd'hui, notre système n'est pas adapté au financement important d'innovation. Aujourd'hui, notre système ne sait pas gérer de façon dynamique le panier de soins et de services tel qu'il devrait être fait pour pouvoir incorporer les innovations. Donc je pense que le médicament est très lié à cette réussite, à cette phase de transition qui devra arriver et qui devra permettre de construire le modèle de santé du 21e siècle. Donc je suggère que l'industrie participe à cette refondation sans se préoccuper uniquement de la défense de ses propres intérêts, parce que ses intérêts dépendent des intérêts de l'ensemble du système. Et enfin, dernière question traditionnelle, vous venez de découvrir RCS, Réseau Communication Santé. Si vous deviez choisir une lettre, quelle serait-elle ? Sans hésiter, le S pour la solidarité, puisque les trois valeurs fondamentales de notre système et de mon point de vue qu'il faut conserver sont la liberté, la responsabilité et la solidarité. Je pense que c'est un mot important. La solidarité pour la santé. Pour la santé. Merci beaucoup. Merci à vous.